Bonjour monsieur Rodolphe Alexandre, vous êtes l'ancien président de la CTG, aujourd'hui à une réunion, par rapport à cette réunion, votre ressenti? Bien, mon ressenti il est satisfait parce que nous avons aujourd'hui la lecture, comme le prévoit le règlement et la loi, du rapport régional de la Chambre régionale des comptes, et ce rapport fait, on va dire, un bilan objectif, comptable, financier, de la situation de la collectivité territoriale. Donc nous sommes aujourd'hui une collectivité qui a été bien gérée pendant les 6 ans de notre mandature. Nous laissons plus de 47 millions de capacités d'autofinancement. Nous avons réglé les problèmes du déficit du Conseil général, ainsi que l'emprunt toxique de la région de l'époque. Et aujourd'hui, les marges de manœuvre, c'est écrit noir sur blanc, sont conséquentes pour la nouvelle mandature de l'équipe actuelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette collectivité aujourd'hui, elle est basée sur sa capacité d'autofinancement. Elle a un solde excédentaire au niveau trésorerie et on a un compte d'épargne qui est largement excédent. Donc maintenant, il appartient à la nouvelle équipe de lancer le programme pluriannuel d'investissement. Bien évidemment, tout n'est pas aussi clair. La Chambre a été un peu dure sur le personnel, mais j'assume, parce que le personnel, il a fallu d'abord harmoniser leur indemnité. Il a fallu harmoniser les conventions entre le Conseil général et le Conseil général. Il a fallu ensuite mettre en place le RIFSET. Il a fallu ensuite créer des emplois parce que des conventions ont eu lieu avec les syndicats. Bref, que l'on nous accuse d'avoir trop de personnes dans la collectivité, ça, tous les maires le savent. C'est, on va dire, l'intervention récurrente des magistrats de la Chambre. Mais d'une manière générale, cette collectivité, et les Guyanais doivent le savoir, eh bien, elle a toutes les marges de manœuvre pour pouvoir relancer, on va dire, l'investissement. Donc maintenant, on va attendre ce qu'on appelle le programme pluriannuel, puisque le NOT, il va prendre fin en 2023. C'est quand même 470 millions qui ont été soulignés par la Chambre, comment ça a été bien fait, comment c'est solide, et surtout comment ça a été bien financé avec la participation de l'État et de l'Europe. Vous estimez, en tant que M. Rodolphe Alexandre, ancien président de la CTG, nous sommes à la CTG, que vous avez mis les conditions, vous avez amené toutes les conditions afin qu'aujourd'hui il y ait une continuité du travail qui a été fait? Je reprends votre phrase. Nous avons laissé un budget en excédent. Nous avons laissé un budget fiable, sincère, un budget qui donne une capacité d'autofinancement. Aujourd'hui, la collectivité, elle a 1 an uniquement d'endettement. Ça veut dire que si l'exécutif actuel veut lancer un emprunt pour pouvoir solidifier, consolider les investissements, il peut le faire. Et ça, ça n'a pas été facile. Je vous rappelle que dans notre mandature, on a eu quand même 2 ans de Covid. D'accord? Alors bien évidemment, je dois remercier le peuple de Guyane avec les accords de Guyane qui en 2017 nous ont permis de lancer une part d'investissement, notamment sur les lycées et les collèges. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que cette collectivité aujourd'hui a toutes les capacités en termes de manœuvre pour l'investissement et pour le fonctionnement. Alors il y aura des petits points à régler de manière générale, mais en tout cas, on a une bonne collectivité, bien saine au niveau financier. Pour finir, je suis arrivé à la CTG et j'ai vu des travaux, je veux dire titanesques, hein, de beaux bâtiments tout neufs, flambant neufs. Donc il y a un gros regroupement, si je me trompe, hein, peut-être que vous pourrez m'aider à bien nous situer là-dessus. Je pense que vous êtes à l'origine de tous ces travaux et aujourd'hui, nous avons ce qu'il faut, hein, en outils pour pouvoir travailler avec le personnel qui en disait en trop, peut-être aujourd'hui, avec tous les bâtiments qui sont là, avec les locaux en question qui peut-être manquaient aujourd'hui sont là, permet de faire un travail beaucoup plus conséquent et beaucoup plus pertinent. Tout à fait. Eh bien, ce bâtiment, c'est Antoine Karam qui l'a réalisé. À l'époque, il y avait à peine 200 personnes travaillant à la CTG. Aujourd'hui, il y en a environ 3000. Et ici, avec les 4 bâtiments qu'on a construits, nous avons pratiquement près de 1000 personnes qui y travaillent. Ce qui est important, c'est qu'on a voulu recentraliser. C'est-à-dire que là, vous avez le service Europe, vous avez le service ressources humaines, le service investissement et équipement, aménagement, et vous avez les services techniques, qui fait que lorsqu'une personne rentre ici, eh bien, elle a toute l'information globale au niveau de la collectivité. On n'a plus à aller comme avant à la Palmis, à Jean-Martial ou autre. Donc ce qui fait que ce pôle, c'est la qualité de travail
la qualité de méthodologie du service. Vous voyez, on a agrandi le parking, on a même fait des terrains de sport pour ceux qui veulent rester plus longtemps, il y a même des douches, etc. Donc, le premier élément était de donner au personnel de la collectivité, parce que ce sont des cadres de la Guyane, ce sont des personnes qui travaillent pour la Guyane. J'ai toujours été frappé de voir qu'à la préfecture, comment les gens sont fiers de dire on travaille pour le préfet, pour l'État, et comment chez nous, quelque part, on est intimidé. Et bien aujourd'hui, ils sont fiers d'avoir un espace qui correspond à la fois à leur talent, à leur qualité de travail, mais également à recevoir le personnel professionnel. Voilà, mais c'est ça. Et derrière, c'est pourquoi je vous dis, la Chambre, dans ce rapport, note qu'on a investi en moins de 5 ans 470 millions. À part les huissiers, ce sont les routes, ce sont les bâtiments des pompiers, c'est le matériel. Voilà ce qui est important qu'il faut retenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui parlent d'évolution statutaire, eh bien, ils ont une première expérience. Je ne dis pas que tout est beau, hein, je ne dis pas ça. Je dis qu'on a une première base. Maintenant, il faut travailler sur les compétences à transférer, sur le transfert des ressources financières et sur la méthodologie à avoir vis-à-vis donc de l'État. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Et bien, bonne chance pour vous.